Quelles seront les nouveautés qu'on aura pour Warhammer 40K et Age of Sigmar pour la fin d'année? Game Workshop nous propose des boîtes de Noël que l'on appelle des Battle Force. Pour ceux ne connaissant pas ces boîtes, c'est des boîtes avec des grosses réductions permettant de commencer une armée de Warhammer 40K ou de Age of Sigmar à prix réduit. D'habitude, nous sommes autour des 30 à 40% de réduction sur le prix initial des unités qui se trouvent dans ces boîtes. Donc on retrouve beaucoup de figurines et principalement, cette édition, plutôt 2023, beaucoup de figurines et beaucoup de boîtes pour Warhammer 40K. On va avoir les 6 boîtes de Warhammer 40K et les 4 autres pour Age of Sigmar un peu plus tard. Évidemment, on va aussi s'attaquer au prix et combien vous économisez avec chacune de ces boîtes. J'ai fait le calcul pour vous et vous allez voir tout ça. Comme vous en doutez, la première, et pas des moindres, une boîte de Space Marine comme d'habitude. Chaque année, les Space Marines sont mis en avant très régulièrement. Ils sont les poster boys de Warhammer 40K, donc c'est normal qu'on en ait des nouveaux, ou du moins des en réduction durant Noël, parce que les ventes sont très importantes dans le domaine des Space Marines. Mais pas que, on a aussi d'autres boîtes. On a la boîte de League of Votan, donc nos petits xénos, nos nouveaux xénos, nos petits nains, qui sont quand même des sortes de, pas de transhumains, mais d'humains modifiés, seront mis au bout du jour avec une réduction durant cette période de Noël. Mais pas que, on retrouve d'autres xénos qui sont mis en avant durant cette édition, je parle évidemment des tyrannides. Ils seront mis en avant encore une fois à Noël, avec une sacrée boîte qu'on va voir un peu plus tard. Mais il y a encore une autre boîte de xénos qu'on va avoir, qui sera une boîte d'orques, qui sera basée sur les Bisnaga, ce qui est quand même vachement cool, et ça fait très plaisir de voir les orques autant mis en avant actuellement. Pour mes seigneurs et chers frères chaotiques, nous avons les World Eaters qui seront mis en avant, et vous savez très bien ce qu'il y aura dans cette boîte, je vais pas spoiler tout de suite, on en parle après. Et pour mes fameux loyalistes, pour mes soldats de l'Empereur, de la Garde Impériale, vous l'aurez compris, enfin l'Astra Militarum, pardon, sera donc une nouvelle boîte qui aura à Noël. Les Space Marines ont comme d'habitude reçu un nouveau refresh, plein de nouvelles figurines, et particulièrement des Space Marines intercesseurs avec des packs dorsaux. Vous les avez vus, ils sont sortis très récemment avec des nouveaux héros et des nouvelles unités très très sympas, je dois l'admettre. Dans cette boîte de Noël basée sur les Space Marines, nous aurons donc certaines de ces nouvelles unités qui seront mises en avant à un nombre très particulier. Cette boîte de Noël de Space Marines sera basée sur les Fast Attacks, qui sont entre autres les attaques rapides. Cela vous permettra d'avoir une sacrée unité, plutôt une sacrée armée, pour commencer probablement une troupe de White Scar, ou alors même de Raven Guard, même s'ils n'ont pas le côté discret des Raven Guard. Alors voyons voir un petit peu tout ce qu'il y aura dans cette boîte. En premier, nous retrouvons le nouveau capitaine avec son Jump Pack, qui vient de sortir, et à la période où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il est même encore en précommande. Je vous invite à aller voir dans la description, il y a les liens pour vous faire plaisir et soutenir la chaîne, ça permet de la rémunérer. Une autre chose, vous avez aussi dans cette boîte 15 intercesseurs d'assaut avec Jump Pack. Et ça, c'est assez impressionnant qu'on ait 15 unités et non 10, ou alors même 5. Là, ils veulent vraiment vous forcer à jouer ces Jump Pack, et surtout avec une manière très agressive. Parfait, comme je l'ai dit, pour les White Scar. C'est juste pépito. Durant la V9 de Warhammer 40K, les Necrons ont été remis à jour avec beaucoup d'unités de Space Marine, principalement dans la boîte Indomitus. On retrouvait dans cette boîte 3 Bikers Outriders qui sont juste magnifiques. Et on retrouve en dernier dans cette boîte un ATV ou AVT, je sais plus du tout le nom, et c'est une sorte de quad, vous voyez de toute façon les images juste à côté de moi. Évidemment, cette unité est assez spéciale et pas très jouée. Et en termes de prix sur cette boîte, on est quand même sur quelque chose d'assez étonnant en termes de réduction et surtout en termes de quantité, comme je l'ai dit. Le capitaine sur Jump Pack est à 32,5€. Les 15 intercesseurs avec Jump Pack sont chacune de ces boîtes pour 5 unités sont à 45€, ce qui fait un total pour les 15 de 135€. Les Bikers sont à 50€ et les ATV à 40€, ce qui revient à un total de 257,50€. C'est quand même un sacré prix, sachant que généralement les boîtes de Battle Force sont dans les alentours de 160€. Mais attention, il y a eu une augmentation chez Game Workshop au niveau des prix, et donc on va en parler à la fin sur mes prédictions des prix, car je ne pense pas qu'on soit sur du 160€ cette année. La deuxième Battle Force sur laquelle on va s'attaquer est la Battle Force des World Eaters. Dans cette nouvelle boîte des World Eaters, nous retrouvons évidemment notre très cher Angron, et bordel qu'est-ce qu'il est beau. Normalement, il devrait y avoir une boîte de Berserk, donc 10 Berserk de cornes, et une boîte de Hatebound. Parlons maintenant des prix. Angron est à 130€, les boîtes de Berserk sont donc à 50€, et la boîte des 3 Hatebound est à 50€. Là, si on calcule tout ça, on arrive à un total d'à peu près 230€. Ce qui est un petit peu bas, je trouve, pour une Battle Force, donc à mon avis, on aura l'une des boîtes de Space Marine du Chaos, donc des Berserk ou des Hatebound, en double. Mais on n'a aucune information sur laquelle sera en double. Mais je pense principalement que ce sera les Hatebound. Donc oui, 280€ au total sur cette boîte, ça fait quand même un bel économie.
économies si la boîte est autour des 160-170, je trouve que c'est plutôt une boîte très respectable. Si vous voulez commencer les World Leaders, cette armée est absolument parfaite. Normalement, je n'achète plus de figurines chez Game Workshop, en tout cas au prix neuf, mais c'est possible car à Noël, je me fais souvent plaisir avec une boîte de Battle Force. C'est quasiment les seules fois que j'achète du neuf chez eux. Maintenant, on s'attaque au League of Votan, qui est quand même la dernière faction sortie pour Warhammer 40K. Et en premier, nous avons ce qu'ils appellent un Sagittor, ou quelque chose comme ça, c'est une sorte de véhicule à 4 roues. On a aussi une Land Fortress, donc la forteresse de sol, je ne sais plus comment elle s'appelle en français. Et on a aussi Grimnir, qui est l'un des personnages avec ses deux petits... c'est une sorte de mage avec ses deux petits vaisseaux. Vous voyez très bien de quoi je parle, de toute façon je vous montre les illustrations. Je ne sais pas comment les décrire, on dirait presque des corbeaux. Et en dernier, nous avons les Aenir Earthguard, je crois, donc les gardiens de la Terre, quoi. Et ça fait quand même un total, normalement, de 230€. Alors, on va juste revenir sur les prix des unités. En premier, nous avons à 55€ le Sagittor, l'Alen Forteresse à 90€, Grimnir à 35€, donc l'unité, le personnage, et Aenir Earthguard à 50€, pour le total de 230€. Ça me paraît, encore une fois, assez bas comme prix, donc j'imagine peut-être qu'on aura deux troupes de guerriers Earthguard, donc les gros soldats comme ça, qui ressemblent presque à des Terminators. Peut-être, peut-être pas. Là, on s'attaque aux troupes impériales, aux troupes cadiennes. Nous aurons en premier, dans cette boîte, deux troupes de shop cadiennes, donc les fameuses troupes standards, une troupe de commande, donc la Command Squad, une seule fois, simplement, et aussi deux Rogaldorn tanks. Donc, ces deux tanks, c'est les sacrés monstres qui ont été remis à jour très récemment aussi. Magnifique, avec l'énorme meme que je vous mets juste à côté, où il n'y a rien en dessous, ils ont voulu économiser du plastique, j'en sais rien, enfin, juste trop drôle. Mais maintenant parlons juste du prix de cette boîte, car les troupes cadiennes sont à 40€ unité, il y en a deux, donc on a un total de 80€, la Command Squad est à 35€, le tank de Rogaldorn est à 80€ unité, attention, ce qui fait un total de 160 pour les deux. On accumule le tout et on revient à 275€. Là, on a un prix qui pour moi me paraît totalement normal et parfait pour une Battle Force. Nous arrivons bientôt à la fin et surtout on s'attaque au dernier Xeno et là on est sur les orques. Cette boîte de Bisnaga aura deux troupes de Boys, une boîte de Squig Riders, donc les monteurs de Squig, et aussi le chef sur Squig qui doit s'appeler comme quelque chose comme Muzrock, Scragbard ou Scragbad, et aussi un Killrig qui est quand même une sacrée belle bête. Sérieusement, j'ai envie de commencer les orques depuis longtemps, et les Bisnaga, en termes de lore, ils sont insane. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo lore sur les Bisnaga, on est quand même en octobre, Orktober, peut-être, si la vidéo fait les 10 000 vues au bout de 48 heures, mais faut la partager pour ça. Ah oui, il faut les gars. En termes de prix, où est-ce qu'on en est? Donc, 45€ pour les Boys, deux unités, qui arrivent donc à un prix de 90€. 55€ pour les Riders de Squig, et ensuite nous avons Scragbad, donc le chef sur Squig, qui a 45€. Le Killrig, l'énorme véhicule avec les trois Boys dessus, et ce véhicule est à 110€, qui fait un total de 295€ d'économiser. Et si je dis pas de bêtises, c'est encore une fois les orques qui sont au-dessus en termes d'économie dans les Battle Force. Et de mémoire, c'est toujours eux. En dernier, on arrive évidemment au plus important de l'édition de la V10. On arrive aux Tyranides qui viennent d'avoir leur refresh. Donc plein de nouvelles unités à prix réduit alors qu'elles viennent de sortir. C'est assez unique, même pour Game Workshop et surtout pour Game Workshop. En premier, on est sur une grosse bête comme d'habitude, le Norn Émissaire, qui est juste magnifique. On a ensuite le Hive Tyrant, donc le tyran des ruches, et une boîte de Hormagaunt, et une boîte de Jin Stealer. Mais attention, si on calcule les prix, il y a un petit truc qui me dérange. Donc, le Norn Émissaire est à 90€, les Hive Tyrant, donc le tyran des ruches, est à 50€, les Hormagaunt sont à 40€, les Jin Stealer à 42,50€. Si on accumule tout ça, ça fait 222,5€, ce qui est un peu bas. Donc j'imagine qu'on aura sûrement deux troupes d'Hormagaunt ou deux troupes de Jin Stealer. Ça me paraît plutôt abordable. Comme je vous l'ai dit, sur les prix, je pense qu'on ne sera pas sur du 160€, mais qu'on sera probablement sur du 170. J'espère fortement me tromper, mais il y a beaucoup de choses qui me font penser qu'évidemment ce sera le cas. L'inflation, déjà, tout simplement, les grosses sociétés en profitent, qui est normal, ils veulent se faire de l'argent. Il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que ça risque d'être un peu plus cher. Peut-être qu'au lieu d'en acheter deux de boîtes, vous en achetez qu'une. Si vous voulez des fois acheter des Warhammer, même quand ces Battle Force sortiront, vous pouvez aller voir dans les liens dans la description. Il y a My Hobby Place qui est le partenaire de la chaîne. Ça permet d'avoir des réductions de 10 à moins 20% sur vos figurines Warhammer. Vous vous faites plaisir en me faisant plaisir, sachant qu'en plus il y a des réductions pour vous. Et moi en plus de ça, je touche une commission sur les ventes du magasin, ce qui fait que ça soutient la chaîne et ça m'aide énormément, plus que vous pouvez l'imaginer. Mais attention, on va encore parler des troupes
d'AOS, ou plutôt les Battle Force d'AOS. Alors je sais pas le contenu qu'il y aura dans ces boîtes d'AOS, j'ai pas trouvé d'informations, j'ai regardé pas mal de vidéos, pas mal de trucs Reddit, etc. J'ai rien trouvé à ce niveau-là. Par contre, je sais les 4 qu'on aura. Donc en premier, on a les Bone Reapers, nos fameuses momies qui ont remplacé, eh bien, les Rois des Tombes. Certains les adorent, certains les détestent. Personnellement, je les préfère que les Rois des Tombes. Et ensuite, on a en deuxième une unité assez spéciale pour le coup, on a les Séraphones. Encore une fois, c'est bizarre, comme les League of Votan, ils viennent d'être mis à jour et on les a directement en réduction. C'est très très cool, très respectable dans le Game Workshop, c'est une bonne chose. Ensuite, on a les Slave to Darkness, donc les troupes simplement du chaos. Très très bonne chose, je trouve que c'est bien de les mettre en avant, les figurines sont magnifiques. Game Workshop est très doué pour faire tout ce qui touche au chaos. On le voit, toutes les unités, toutes les troupes du chaos sont magnifiques. Et en dernier, on a les Soulblight Gravelord, simplement les vampires, les ghouls, ce genre de choses, qui sont encore une fois très très appréciés par beaucoup de fans aimant les jeux d'horreur et surtout les films d'horreur et ce genre de choses. Très très cool, malheureusement j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des vidéos sur le sujet, donc de ces unités dont j'ai parlé, de ces Battle Force, qui vous intéressent? Attention, je parle bien de vidéos de lore, pas de peinture. J'aimerais beaucoup faire sur les orques, les Bisnaga, et peut-être même prochainement sur la garde impériale, qui sait, peut-être. Mais encore une fois, tout dépendra comment la vidéo est reçue. Merci à tous pour le soutien, on est bientôt aux 10 000 abonnés les gars, en moins d'un mois on va réussir à le faire, gagner 3 000 abonnés c'est assez insane, donc j'espère vraiment qu'on y arrive, merci à tous. Si vous voulez rejoindre le Discord, il y a un Discord dans la description pour en plus participer à un concours de peinture qui vous permettra peut-être de gagner Marneus Khalgar, si ça vous intéresse, vous pouvez le rejoindre. Et merci aussi aux sponsors de la chaîne Holy Energy, MyObiPlays, tous ces partenariats sont dans la description, si vous utilisez les liens dans la description pour tous ces partenaires vous avez des réductions, en plus de ça, moi ça permet de toucher une commission et ça permet de continuer cette chaîne, et c'est aussi quand même un grâce à vous, c'est un échange de bons procédés. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec une réduction et à me permettre de continuer. Bonne journée à tous, prenez soin de vous. Si vous voulez voir ma dernière vidéo sur les Dreadnoughts, je vous invite à aller regarder juste ici. Elle est splendide avec un nouveau format que vous avez vu. Bonne journée à tous et allez voir ça.